Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Lilian31, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 15 Ultimate Team. Nous sommes toujours dans la coupe nouvelle année 2015 et on va continuer. Donc on avait gagné le premier match 3 buts à 1 avec un doublé de Danny Welbeck qui nous avait encore une fois sauvé. Eh bien aujourd'hui on attaque le quart de finale. L'équipe a un petit peu changé puisque en fait, qu'est-ce qui se passe, j'ai un joueur blessé. Puisque en fait là on va faire jouer les remplaçants. Donc la même compo, 4-1-2-1-2 comme d'habitude. Mais cette fois-ci devant il n'y a pas Welbeck, il n'y a pas Balotelli, il y a Loïc Rémy et Vargas. Donc j'espère que la doublette sera pas dégueulasse. Milieu de terrain, Ramsey, Poligno, enfin voilà, vous connaissez un petit peu le classique maintenant. Hugo Lloris au but qui avait été plutôt bon sur le match d'avant, si ce n'est sur la frappe où il a pris le but. Mais dans l'ensemble il m'a fait quelques sorties bien intéressantes. Donc j'espère que cette fois-ci je vais pas me taper un mec qui aura une équipe full légende. Ça serait bien de pouvoir jouer un truc correct quoi, une équipe on va dire sympathique. Alors 79, tiens voyons voir. 60. Mais ouais, mais ouais. Mais alors ça c'est traître, voilà, les équipes comme ça c'est traître. Moi je préfère jouer des équipes qui ont 83 avec du Cristiano Ronaldo que jouer des mecs avec du Ibarbo, du Quaresma et du Depay là. Et ouais, non, c'est dégueulasse ça. Parce que là, les trois mecs qu'il y a devant, pour les arrêter, il va falloir se lever tôt. Hein. Il va falloir être chaud. Donc là, j'ai intérêt à pas me chier défensivement. Et puis les maillots en plus. Ah ouais, putain, les maillots, ouais, c'est pas le top. Allez, c'est parti. Dans ce quart de finale, on va aller le déchirer, le monsieur, avec son Ibarbo. Oh, c'était pas mal, ça. Allez. Oh, non. Comment tu peux conclure une action comme ça, quoi? Comment elle était belle, là, le 1-2-1-2. Vargas, putain, je te fais confiance. D'habitude, tu me les mets, ces frappes-là. Même pas hors jeu. Allez, 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 le but de Oscar. Oui, oui, monsieur. Après une petite erreur défensive de sa part. Qui c'est qui m'invite alors que je suis en pleine vidéo? Non, mais sérieusement, quoi. Merde, browser, je sais pas quoi. C'est pas bien, tu as fait des bêtises. Attends, Oscar, il a marqué un but à 0 à la 8ème minute. Eh oui. Pour Oscar. Voilà, c'est pas mal, ça. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, et la frappe enchaînée derrière et ça passe à côté, mais c'est pas mal, je commence à être plutôt bien techniquement là. En plus Oscar me fait des choses pas trop mal dans ce match, chose assez surprenante, mais on va le féliciter puisque c'est quand même très rare. Et il faut savoir l'encourager aussi. Boum, la frappe enchaînée de Loïc Rémy, c'était pas mal ça. Allez le corner. Ouh là là, je crois que j'ai un peu trop tiré sur l'extérieur, allez la retourner. C'était bien nul comme retourner. Oh Vargas, oh là là, oh là là, le crochet de ouf de Vargas. Et alors là, punition. Ah, bon, la frappe était pas mal. Allez, boum. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau, mais il y a hors-jeu quand même, il y a hors-jeu. Ah, et c'est la mi-temps sur le score de 1 but à 0. Et honnêtement, je domine clairement ce match. Maintenant, je suis en train de tomber dans la facilité. Puisque regardez, 11 tirs, 6 cadrés, 1 but. Et pour lui, 0 tir, 0 cadré du coup. 47 de possession pour lui, 53 pour moi. Faudrait pas que je joue au con quand même et que je prenne un tir, un but. Donc là, l'objectif c'est vraiment d'aller mettre au moins le break. Et puis après de continuer à s'amuser. Mais au moins mettre le break, au moins être à 2-3-0. Et derrière le match sera totalement plié. Mais en attendant, va falloir rester sur ses gardes. Oh, allez. Oh, le goal. C'est pas vrai, il m'a sorti un arrêt de ouf là. Attention, c'est qui celui-là? C'est Quaresma encore. Voilà, c'est Quaresma. Ah, Quaresma. Et voilà, un tir, un but. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Un tir, un but. Quaresma tout en dribble devant la surface. Je passe dans le vide, bien sûr, sur un passement de jambes. Bien joué à lui. J'ai pas de quoi rager parce que là il m'a torché, il m'a allumé, il m'a détruit. Par contre j'ai le droit de rager sur le fait que je savais qu'un tir ça allait faire un but. Et ça, voilà, on le paye. On le paye. Allez, tu l'as. Putain Oscar, qu'est-ce que t'as fait? Allez Loïc. Allez Loïc. Y a faute, faute pour moi. J'ai réussi à obtenir le coup franc. Alors celui-là, faut le mettre. Il faut le mettre. Ah putain, oh l'équerre. Ouais mais non, mais non, mais qui c'est qui met une tête? J'ai pas fait une tête comme ça. Bah ouais, mais non, c'est nul ça. Allez, on la dégage. Ah là 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 là, et on va devoir aller aux prolongations. On va devoir aller aux prolongations. Le match qui nous échappe totalement. Regardez les stats, regardez les stats, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Là, je ne sais plus.
Je ne sais plus, les gars, parce que là, il a un goal de ouf. Et moi, ben voilà, le mien, il a craqué sur un tir, un but. Alors, ça serait con de partir au pénalty. Avec la chance que j'ai, je risque de forcément perdre. Donc là, ouais, c'est compliqué, quoi. Faut que je marque, quoi. Je comprends pas. Il faut que je marque. Attention, le LBY. Attention, le LBY. Il est passé. Oh là 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 là. On a eu de la chance. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, c'est passé juste à côté. On a eu de la chance. Oh putain, le match qui nous abandonne totalement. J'y crois pas. Tu l'as vu au centre, le Vargas. Le Vargas qui me met la tête à côté. Aïe, 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 aïe. On va partir au pénalty. On va partir au pénalty. Vous avez pu voir que voilà, il a fait en une mi-temps, il a fait 5 tirs quand même. C'est ouf, hein. Il était à un tir, un but. Et là, il est à 6 tirs, 5 cadrés maintenant. Je commence à souffrir. Je perds totalement le contrôle de ce match. Et je sens que je vais le perdre. Je le sens, c'est ça qui est terrible. Attention à ça. Oh, elle est passée. Elle est passée, son long LBY là. Ah, oh, Lloris, la parade de l'année. La parade de l'année de Lloris. Allez, une des dernières actions du match. Une des dernières actions du match. Allez. Allez, Vargas. Non. Non. Comment. Comment j'ai pu ne pas marquer. Comment. 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 Eh ouais, le goal est sorti. Et on va aller au pénalty après qu'il est dégagé. Et voilà, on va à la séance des tirs au but. Catastrophe, catastrophe totale, parce que je vais certainement m'incliner là-dessus. Alors que j'ai dominé ce match. Allez, on va plonger à droite, comme d'habitude. Oh oui, il a tiré au-dessus. Oh putain, il a tiré au-dessus. Oh le con. Oh le con. Oh, ça va. Non, mais je voulais pas tirer au milieu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai mis le joystick à gauche comme un enculé. Non. Oh, il a tiré au-dessus encore. Oh, oh putain, allez, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Allez, à gauche. Ah, il me l'arrête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quoi ces conneries? Ah, il me la met maintenant. Il me la met. Oh, putain, c'est pas vrai. Allez, Oscar. Oui, monsieur. Allez, Oscar. Oh, putain, c'est pas vrai, con. C'est pas possible. Oui, Lloris. Oui. Oui, monsieur. Allez, Paulinho, tu marques. Oh putain. Allez. Oui, le plongeon à droite. Nice. Nice. Allez. On lui arrête celle-là. On lui arrête celle-là. Il va tirer au milieu. Non, putain, il a tiré à droite encore. Il a tiré à droite, le bâtard. Je pensais vraiment qu'il allait. Allez, dans le vert. Dans le vert. Oui. Et on a gagné. Oui, monsieur. Oh putain, qu'on est passé, mais alors dans la difficulté. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Lloris, quoi. Lloris, quoi. Lloris, quoi. Merci, mon ami. Merci, mon ami, quoi. Mais alors, honte à nous, quand même, de passer sur une séance de tir au but avec de telles stats. Vous allez voir les stats. C'est un truc de fou, quand même. C'est un truc de fou. C'est n'importe quoi. Ah ouais, là, je suis encore sous le coup de l'émotion, dis donc. Je suis encore sous le coup de l'émotion. Oscar, homme du match avec un but. Bah, je suis pas vraiment d'accord, hein, parce que certes, il met un but. D'ailleurs, une belle frappe qui m'a un peu surprise, puisque Oscar d'habitude ne frappe pas comme ça. Mais après, il a fait que de la merde. Je comprends pas pourquoi il est homme du match. Mais bon, c'est pas grave. Chez lui, Quaresma et Handanovic. Ouais, bon, ben logique. Quaresma, il m'a mis un but de ouf. Handanovic m'a fait des arrêts de tous les côtés du terrain. 22 tirs. Et écoutez ça, 22 tirs. 12 cadrés. 12 cadrés. Un but. Un seul but. Catastrophe totale, c'est une honte. Bref, je passe ces stats à la con. On va terminer ce deuxième épisode dans cette coupe nouvelle année. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode dans lequel on sera allé jusqu'au bout du suspense. Excusez-moi, je commence à bugger, là je suis encore sous le coup de l'émotion. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos avis, vos réactions dans l'espace commentaire de la vidéo. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce vert et de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Merci à tous, portez-vous bien et à très vite. Bye bye tout le monde.